On se situe à Saint-Félix-du-Lauragais. On vient d'installer un barrage Watergate en travers de la rivière La Rigole. Et on canalise la rivière avec deux tuyaux de 800 qui passent sous l'ouvrage. Donc ce qui reste à faire pour l'instant, c'est de mettre un bâtard d'eau aval pour empêcher l'eau qui s'écoule de refluer sous l'ouvrage et de mettre en place des pompes d'épuisement pour pouvoir abaisser le niveau sous l'ouvrage et pouvoir réaliser les travaux de rejointement. Sur le parcours et le tracé de la Rigole, il y a un certain nombre d'ouvrages très anciens qui sont d'ailleurs classés et qui vont faire l'objet de travaux de restauration. On se situe en aval à 100 mètres environ d'une écluse, donc dans des conditions de pose assez confortables avec une profondeur qui est maximum de 50 cm. Tire encore à toi, il faut plus de marge encore. Tire-en encore. Voilà, tire encore, fais un pli encore. On retirera l'extrait et l'excès après. Voilà. Tu peux le rabattre là au milieu. Voilà. Allez, toi aussi devant, on va y rabattre au milieu. Voilà, donc voilà. Ça y est, donc là c'est calé. Donc on va commencer par installer la rive droite. On pose ça proprement. Et ensuite, on fera la rive gauche. Okay. 1, 2, 3. Tiens au-dessus, c'est au point de plus la taille du sac. Mais, pas grave, on va bien les sacs, c'est tout là. Vous avez vu comme ça monte là? Ah oui, oui, ça monte. Pas plus. Et après, on s'en met plus. Encore 15 cm. Ouais, je vais les mettre bien longs. Ça, parce que... Ah oui, elle a dit mettre une pompe. Tu penses qu'il va marcher tout en L'objectif c'est d'assainir le dessous du pont pour refaire les joints. Tous les joints qu'on voit en pierre, il faut qu'on les refasse. Et là on voit que l'eau en fait elle a baissé déjà d'une quinzaine de centimètres je pense avec la pose du bâtard d'eau amont pour l'instant. Sans pompage. Sans pompage. Et là, vous avez besoin d'abaisser encore combien pour pouvoir faire correctement les jointements? Ce qui est prévu, c'est de baisser d'au moins 30 cm en dessous du niveau actuel. D'accord, donc là, il reste encore 20 cm à aller chercher. Voilà, tout à fait. D'accord. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit d'amener des matériaux extérieurs à la rivière. On est obligé à faire avec ce système-là. D'accord.
D'accord. Donc pour éviter les pollutions de la rivière. Voilà, tout à fait, d'accord, les pollutions. Et de remuer aussi les fines, voilà. Remuer le fond des matériaux. D'accord. Donc là, Watergate, ça permet de venir poser un barrage sans apport de matériaux extérieurs. Oui, voilà. C'est l'architecte Pierre-Paul Riquet, du temps de Louis XIV, qui a fait ce canal qu'on appelle la Rigole, qui alimente le canal du Midi en eau. Et cet ouvrage date de cette époque-là. Une des principales voies d'alimentation du canal du Midi. D'accord. Et donc là, on va retirer en fait le ciment pour pouvoir le remplacer. On va enlever la partie qui a été faite en ciment, refaire des joints en chaux. D'accord. Alors avec de la chaux plus ou moins aérienne. D'accord. Plusieurs types de chaux. Donc les VNF. Et après, au niveau donc du parapet et quelquefois même en dessous, lorsqu'il y a des lacunes, c'est-à-dire des manques, on va substituer sur des profondeurs minimum les éléments qu'il faut soit trop abîmés, soit qui sont complètement manquants. Remplacer, d'accord. Et on retrouve les pierres qui correspondent aux pierres d'origine. Alors, on arrive à trouver des pierres. Alors, soit l'entreprise se fournit sur des carrières qui existent déjà. D'accord. Nous, on récupère également des pierres, on les stocke dans les centres d'exploitation. Et après, ils font leur choix en fonction de la teinte, ça correspond le plus. Et ça, on le verra après un bon nettoyage, on aura vraiment les couleurs. Et pour les briques, c'est pareil. Là, comme on est dans les sites classés, les briques seront normalement en plus grande partie des briques de récupération. Qui ont été nettoyées. On est vraiment dans de la restauration. Là. Ah, ben, c'est de la restauration, oui. D'accord. Après, c'est l'âme aussi de ces ponts. Refaire quelque chose avec quelque chose de trop neuf. Bien sûr, on les dénaturerait. Mais d'ailleurs, c'est certainement un peu ce qui a été fait quand le rejointement. Ciment a été fait il y a quelques années, j'imagine. Ah, certainement une dizaine d'années. Ça n'avait pas été fait avec autant d'attention que ce que vous pratiquez aujourd'hui. Et au niveau pisciculture La pêche a été faite hier. D'accord. Apparemment, il y avait plus de 100 kg de poisson. D'accord. Donc, bonne santé. Ouais. Et sur quelle longueur la pêche a été faite? Sur quelle section, du coup? De l'écluse jusque-là. D'accord. Une centaine de kilos de poisson sur cette section de 100 mètres. Ouais, à peu près. Ouais. Même pas. Superbe. Donc effectivement, nos canaux se portent bien. En tout cas ici. Magnifique.